les ans, la conférence des ambassadeurs réunit pendant 3 jours les chefs de mission diplomatique, un rendez-vous qui met l'accent sur les grands sujets, ceux qui vont conduire l'action de la France à l'étranger. Cette année, il s'agit de la diplomatie économique. Avec nous, pour nous en parler, Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous en poste en Chine ? Depuis un peu plus d'un an, ce qui est assez court dans un pays continent et qui est la deuxième économie mondiale. Dans quel secteur la France est la plus attendue ? Y a-t-il des domaines où on ne l'attend pas, qui pourraient surprendre les Chinois ? Alors, il y a, je parlais tout à l'heure des partenariats stratégiques qui sont évoqués dans le cadre du dialogue stratégique global au plus haut niveau avec le représentant du président de la République et le conseiller d'État du côté chinois. Et il y a évidemment le nucléaire, puisque nous avons une coopération très, très ancienne. Il y a l'aéronautique avec Airbus. Airbus, en 1995, il y avait 29 avions. Aujourd'hui, il y en a plus de 700. Et près de la moitié des avions de plus de 100 places sont des Airbus. Donc là, je crois que l'expertise française est reconnue. Elle est reconnue dans un autre domaine, qui est celui de la mode, du luxe, et cette idée de la France romantique, également les vins et spiritueux qui rencontrent un énorme succès en Chine aujourd'hui. Alors là, ce sont les domaines effectivement attendus. Pour le reste, je crois justement qu'il faut sortir de cette image uniquement romantique en ce qui concerne la France, rappeler notre expertise dans les domaines de haute technologie. Nous sommes très présents dans le domaine de la chimie en particulier, du caoutchouc, mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de développer une filière verte. Nous avons des leaders mondiaux dans ce domaine, c'est une des priorités de la Chine et je crois que nous pouvons faire davantage dans ce domaine. Quels sont vos outils pour percevoir, comprendre et saisir les opportunités pour les entrepreneurs ? Alors, il y a un maillage très, très dense de la présence française. Il y a naturellement tous les services de l'ambassade, services économiques, également UbiFrance, qui était un des plus grands, qui a le plus grand nombre de représentants dans le monde, je crois, après les États-Unis, près d'une centaine. Également la présence d'OSEO, de la COFAS, de l'IMPI, l'Office de protection des marques, et naturellement les conseillers du commerce extérieur qui eux aussi sont près d'une centaine et qui sont présents dans un grand nombre de villes en Chine. Nous avons par ailleurs 5 consulats généraux. Je voyage moi-même beaucoup, parfois à la tête d'entreprises. Nous avons naturellement les contacts fréquents avec les différents ministères compétents dans le domaine de l'économie et du commerce. Concrètement, en fait, est-ce que vous avez un exemple d'une entreprise que vous avez aidée et de quelle manière vous l'avez aidée ? Alors évidemment, il y a une différence entre les grands groupes et les PME. Pour les grands groupes, c'est beaucoup plus facile. Les présidents des grands groupes viennent régulièrement nous voir. Nous les aidons très fréquemment dans le cadre des dialogues politiques ou pour des démarches spécifiques. Les PME sont en contact plus facilement avec UbiFrance, qui a été créé pour cela, mais nous défendons le dossier également d'une PME si nécessaire. Je parlais tout à l'heure des voyages en province. Il m'arrive d'accompagner dans des opérations qu'on appelle villes d'avenir, une trentaine ou une quarantaine d'entreprises, souvent petites et moyennes entreprises, pour les mettre en contact avec les autorités d'une province et défendre tel ou tel dossier. Et dans quelle mesure, en fait, il peut avoir des difficultés avec peut-être, je ne sais pas, les autorités locales, et comment vous, quel est votre levier d'action, quelles sont un peu vos ficelles pour les aider ? La Chine est un pays où le pouvoir politique compte naturellement beaucoup. Donc s'il y a le soutien de la puissance publique française, c'est un atout, et c'est un atout également dans les provinces. D'accord. Et avez-vous un exemple récent d'une PME que vous avez
que vous mettez en avant et que dont vous avez remarqué le succès qu'elle a pu avoir? Alors oui, il y a en particulier dans le domaine de l'énergie nucléaire, puisque le nucléaire est un des partenariats structurants entre la France et la Chine, il y a près de 80 PME qui sont regroupées dans le partenariat France-Chine électricité autour d'EDF. Et je peux citer par exemple Vanatome, qui est un équipementier nucléaire, donc qui est une PME, et qui grâce à cela, non seulement travaille sur le chantier de Taishan, mais également est présente aujourd'hui à Harbin, dans le cadre d'une joint venture avec un partenaire chinois, et qui est présente sur le programme nucléaire chinois. Et donc c'est une belle réussite. D'accord. Et le fait d'avoir comme priorité la diplomatie économique, est-ce que c'est pas au détriment d'autres activités diplomatiques que vous pouvez avoir en poste en Chine? Non, pas du tout, parce qu'en fait, les activités diplomatiques, elles sont normales et on les poursuit dans le cadre d'une diplomatie classique, mais la diplomatie économique est aujourd'hui une priorité. Mais en réalité, ça rejoint le domaine de la culture et de la science. Et en fait, c'est une diplomatie d'influence en Chine. Ce qui est important également, c'est que nous avons ouvert des grandes écoles d'ingénieurs qui enseignent soit l'aéronautique à Tianjin, soit l'école centrale de Pékin, qui est une émanation de Centrale Paris. Et qui permet donc de suivre des cursus français en langue française et ensuite d'avoir des ingénieurs qui ont une double culture et qui sont très sollicités à la fois par des entreprises françaises travaillant en Chine ou des entreprises chinoises qui ont des contacts avec des Français. Donc il y a un lien de toute façon entre la culture, la science, l'économie et de manière générale le rayonnement de la France. Très bien, merci beaucoup et bonne suite pour la conférence. Merci. Merci.